On a toujours été avec déclaration chef l'État qui retournait hier dans un pays en échange linguistique président Jovenel Moïse, Chitak, Premier ministre Barbadlan, et puis discuter sous façon pour mettre anglais comme deuxième langue étrangère dans l'école. Yo. C'est un peu l'autre avantage pour pays d'après Jovenel Moïse qui était dans le micro, Marc Garçon Félicien. Gagnant Premier ministre Barbadlan, qui lui-même très intéressé pour faire un partenariat avec le pays d'Haïti sous affaire, c'est échange dans affaires professeurs. Pour que langue anglaise, parce que faut ne pas oublier, presque tout pays, dans 15 pays caraïbes, ils tout parlent anglais. Son seul pays qui parle français, c'est Haïti. Nous, après, comment t'as fait pour nous faire échange, parce que eux même, ils intéressés à français, et certains pays intéressés à créole là tout, pour nous voir comment, dans échange ça, depuis, dans classe préparatoire, pour me pas dire, dans préscolaire, nous initier anglais comme langue seconde dans le pays qui permet à tout le monde, depuis qu'il fait entrer l'école, il a commencé à apprendre par l'anglais, même dans l'autre pays, tout, il pas le faire pour le français, qui va permettre d'ici horizon 2030, là, nous gagner une génération qui commence à parler en autre langue étrangère à partir de leur entrée dans le préscolaire. Il faut ne pas oublier, parlons langue avec écrit en langue. C'est deux bagailles qui, ils ont marché ensemble, oui, mais ils sont différents. Ou bien, doit connaître écrit l'anglais bien, et puis, ou bien, difficulté pour parler. Et surtout, anglais, parfois, ou bien, difficulté pour tendre. C'est pour ça, décision, ça, yo, permet que Timounio, dès plus jeune âge, yo, yo commencé à apprendre une langue, ça, qui c'est une barrière pour nous, dans échange, nous, avec CARICOM, non? Et qui permet que nous venions des échanges qui fait pis bien, parce que communication et l'anglais sont des outils qui sont importants en pile. Et Premier ministre Barbadlan, lui-même, lui très intéressé, c'est lui-même qui est censé apporter le dossier ça. D'ailleurs, lui demandé pour venir visiter Haïti, nous-mêmes nous dit bienvenue pour venir à Haïti, pour nous garder, pour nous voir. D'ailleurs, c'est la première fois que Barbadlan, Premier ministre, son dame, qui est Premier ministre, et Barbadlan, son femme. C'est la première fois que Babat est une femme comme premier ministre. Relation entre exécutif là avec judiciaire paraît meilleur après une songée président a parlé de juge corrompu qui gagne dans le système là condition la vie juge dans le pays a dû changer ses déclarations président Jovenel Moïse chef l'État a rappelé faut gagner l'argent pour sa fête dans ce sens alimenter tout citoyen payer taxe président Jovenel Moïse dans micro Magasson Philistin. On est un contrat plan que l'exécutif là, dans le niveau CSPJ, a passé avec le pouvoir judiciaire là, pour nous comment condition la vie juge qui est là pour nous justice, que nous avons changé. Parce que ce n'est pas possible pour aujourd'hui, un juge qui finit son jugement en criminel, et puis vous regardez, c'est derrière nous en motocyclette, il parle de la CAEL. Un juge ça, porte la CAEL, ou pas même frapper le ouvert. Ça veut dire juge aujourd'hui, hein, au plus haut niveau de l'État, faut qu'il y ait des conditions qui créent pour juger car une meilleure qualité de vie. Et ceci, nous dit juger, mais c'est pour tout le monde qui travaille dans la fonction publique, là. Fonctionnaire l'État, qui sont carrière, la fonction publique qui sont carrière, c'est pas possible. Il y a des conditions, monde qui dans la fonction publique, là, vivent fort. Conditions, la vie, monde, j'aurais changé. Mais pour le fait, pas oublier, un seul bagage, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et quoi, là? C'est seul gens qui nous ont entré. C'est là où même qu'on regarde là, ou payer taxes avec impôts. C'est là où même qu'on regarde ou d'un. Ouais. Bon, nous allons parler, Koulia, de Woto, président République, Joseph, Jovenel Moïse, hier, après participation, mais carré comme, donc, Nathan Nawaldi, fin de Joseph, là, on va dire tout, ok? Chef l'État, retourné dans le pays, hier, après elle, souhaite participer dans la réunion, chef l'État, qui a gouvernement carré comme, au côté, c'est président Jamaïque, là, c'est premier ministre Jamaïque, là, qui est élu pour, 6 mois, dans tête carré comme, donc, président se tournante, comme non. Donc, chef l'État payant, dit lui, discuter avec le président cubain sur possibilité pour t'amener plus ingénieurs hydrauliques disponibles pour payant, façon pour construire barrage, pour oser plein eau. Et puis, bah, y a accès à divers jeunes à la formation à Cuba, surtout dans le domaine hydraulique. Président Jovenel Moïse, dans le micro, Marc Garçon, félicitations. Premier gros rencontre que nous avons, nous avons tête à tête avec le président cubain. Nous voulons parler de Diaz-Canel. Et tête à tête ça, dit Chita,
sous expertise que Cuba a nous en matière d'ingénierie hydraulique. Parce que faut pas oublier, barrage irrigation que nous avons fait dans le pays, dans la zone Marion, c'est 15 experts, ingénieurs hydrauliques, ingénieurs civils cubains, qui ont fait travail ça avec le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, qui fait toute étude géophysique et géotechnique. Le ministère des travaux publics, qui a des techniciens qui travaillent, je voulais parler d'ingénieurs civils, et gagner des équipements tout. Et puis, maître d'ouvrage, c'est le ministère agriculture, qui lui-même a travaillé pour mettre 32 jeunes ingénieurs agronomes qui spécialisent en génie rural, lui-même pour y aller travailler derrière de 15 experts cubains, pour y aller prendre bon gens connaissance que experts cubains a mis à terre dans le barrage Marion, parce que les gens nous connaissent, nous disent que c'est pas un seul barrage que nous avons construit dans le pays pendant le mandat. Nous avons plusieurs barrage pour nous construire parce que faut nous quitter de l'eau de surface. Je ne dis pas, nous connaissons comment vous nous mettre de l'eau, terre, nous dit rivière, terre, mounio, et soleil là, ensemble. Mais pour faire, faut commencer le travail pour maîtriser de l'eau de surface dans le pays. Nous demandons au président cubain pour lui capable de voir pour nous 30 autres ingénieurs, parce que pour qui ça nous dit 30 autres ingénieurs, faut ne pas oublier. Un barrage d'irrigation, c'est un barrage extrêmement difficile, c'est un gros ouvrage lié. Si pour nous respecter la promesse nous qui s'est fait plusieurs barrages d'irrigation dans le pays, nous ne pouvons pas travailler avec une seule équipe. C'est ça que fait le ministre de l'Agriculture, le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Environnement, ils ont décidé pour être capables de mettre 3 équipes sous pied. Ça veut dire 3 équipes qui ont une capacité d'exécution et le laboratoire national que le ministre des Travaux publics a renforcé déjà et une équipe qui a venu pour rendre le laboratoire national en capacité pour faire 7 études par année, pour faire 7 études de barrage à la fois par an. Capacité ça que le laboratoire national a venu, j'aime vous dire, 3 ministères, environnement, agriculture et travaux publics, ils ne pas mettre tête ensemble pour voir si, pour comment que nous avons fait 3 chantiers ensemble. Parce que un chantier, pour le finir, pas oublier la propre entre 12 et 18 mois. Nous avons 4e ministère, c'est le ministère de la Défense, avec jeunes et ingénieurs, militaires, et ensuite, il y a des soldats techniciens qui prennent l'information et dans le recrutement que nous allons faire tout, nous parlons de jeunes garçons avec jeunes filles qui prennent le travail dans le niveau ça pour opérer l'équipement. Mais, je ne dis pas y a 3 unités ensemble parce qu'on barrage pour nous faire en fait ouvrage, il y a près de 12 et 18 mois. Ça veut dire si vous avez dit son seule équipe qui t'a fait barrage, ou dès que vous n'avez pas temps, fait 3 barrages pendant le reste mandat crédit. Mais avec le système que nous allons mettre sous pied, ça va permettre nous faire 3 barrages en même temps. Ça veut dire que chaque 18 mois, vous avez une capacité pour faire 3 barrages d'irrigation dans le pays. C'est pour ça que nous demandons à Cuba, à travers la tête à tête que nous avons avec le président, pour être capable de mettre à disposition le pays dans un accord de coopération que nous avons, 30 autres ingénieurs en hydraulique qui permettent nous construire l'autre barrage dans le pays. Tant que le barrage nous vient pour nous construire sur la Grande Rivière du Nord, nous vient pour nous construire barrage sur trois rivières, barrage dans Savane-Diane, dans plusieurs rivières, nous parlons de rivière Cano, rivière Rio Frio, en pile rivière dans le pays, nous vient pour nous construire barrage que nous vient pour nous construire sur la Grande Rivière de Nip, qui pour vous est pleine Bakounois, tout ça c'est des promesses que nous avons fait, que c'est pas un seul jour qu'on a travaillé pour nous faire promesses, pour nous faire respecter, mais je ne dis, c'est avec de grands travaux qu'on a mis sous pied pour nous respecter promesses. Le président cubain, et nous avons profité de parler avec lui pour nous possibilités pour nous voir de jeunes haïtiens diplômés à prendre formation pour un niveau maîtrise en hydraulique Cuba. Et deuxièmement, bonne possibilité tout pour nous voir des jeunes qui finissent faire philosophie pour nous faire bousse, pour aller faire génie hydraulique, parce que son domaine, nous vous disons, qui sont une grosse nécessité pour le pays, nous avons besoin d'un pile d'ingénieurs hydrauliques dans le pays, parce que là, nous finissons de construire barrage, il faut gérer. Et ce n'est pas étranger qui a besoin de gérer pour nous.
c'est haïtien qui a venu gérer. Qui haïtien, c'est pas nous-mêmes qui a parlé à la, c'est génération qui a venu, qui prend là pour travailler, pour gérer gros chantier ça. C'est pour ça, il répond nous positivement, il dit le pral va passer une instruction pour voir qui quantité, les mêmes mandés nous, qui quantité bourse d'études nous besoin. Ça veut dire, il y a 32 jeunes que ministre agriculture qui pour voir et marion à l'information. Maintenant, je pense dans un jeune ça qui est diplômé en génie rural, c'est de jeunes ingénieurs agronomes qui ont spécialisation en génie rural, n'a pas capable de voir quelques jeunes prennent formation l'autre bois pour permettre nous gestion barrage, nous sommes capables de faire et construction nouveau barrage tout. Jeunes ça qui a participé dans eux. On a toujours été avec déclaration chef l'État qui retournait hier dans le pays en échange linguistique à président Jovenel Moïse, Chitak, Premier ministre Barbadlan. Bon, moi, Dogi, moi, ministère de communication, à qui j'ai consacré mois juillet à mémoire. Nemo Jean-Baptiste. Oui. Et parce que nous pensons que, regardez, depuis date, pour ça, nous nous quittons pour nous comme héritage, ou même, c'est un danser comparé. Bien, il y a le même goût de musée. Vous connaissez quoi, ouais, il y a le bizarre danser red. Compas direct. Et 4 par 4 là, tout le monde a danser compas direct. Oui, ça. Et puis, on a parfois oublié créateur. Nous-mêmes nous dit, Nemo Jean-Baptiste, faut pas le respect. Et moi, juillet là, Rotel a invité président républicain tout pour bailler des plaques pour nous dans cas d'activité ça, pour permettre qu'il y ait des personnalités dans le compas qui sont capables d'honorer pour contribution. Et parce que le compas, son bail qui mettait le drapeau pays à tout, ou à l'étranger. Ou garder le compas, jouer dans Zénith, le compas, jouer au bon côté sur la terre. Et puis qu'on y a là, nous étions négligés. Et, ma bonne, nous avons une série de conférences que nous avons faites. Sur évolution compare avec des mondes qui comptent compare. Par exemple, on est comme Mario De Volsi, on prend on est comme Michel Fermadi alternative là, Philippe Saint-Louis. Mm-hmm. On prend pile l'autre monde. On prend qui parle Vincita de des panels à parler de évolution compare etc. Et on dit Vicky Scorpio. Mm-hmm. Ah, oui. Non, c'est en question. Non, c'est pas moi, le ministre. Donc, qui s'est prêt à le faire? Parce que, à part consacrer moi, Nemo Jean-Baptiste, mais qu'il y a là, monde qui est dans le secteur, comment compter encadrer eux? Parce que, j'aime ça dire là, vu qu'il est là, dans une situation difficile, même avec un pile d'autres musiciens. Eh bien, justement. Et ma salut, c'est l'Antograsse Adelvatou qui font un travail vraiment important dans le Sénat sur question culture. N'a pas pu venir avec plus précision pour nous parler de œuvre ça que monsieur fait, de loi ça qui votait, et l'autre projet que le gagnait, que nous-mêmes avons travaillé ensemble jusqu'à hier, nous t'es parlé de question projet culture. Encore une fois, sénateur Grâce Adelva, compliments, et bon travail, et nous-mêmes avons travaillé ensemble pour nous délivrer dans le secteur culturel. Et donc, Jean Dulan, n'a bien des conférences, n'a bien soirée côté la, occasion cérémonie côté la baille des distinctions, et n'a bien des concerts, quatre fêtes, des paquet de jazz qui est confirmé, Jakout, et, gain, classe, gain, disciple, gain, bon, tout jazz, mas compas, tout jazz est à confirmer là, en ligne, pendant plusieurs jours pour qu'elle performe, et, alors, date, je parle en tête, moi, là, m'gain toute date, alors, depuis, à partir de 21, jusqu'au 30, juillet, abgué des activités régulièrement, qu'a fait, et, journée, jour, 26 juillet, nous voulons journée, ça, c'est journée nationale du compas direct. Côté toute radio, c'est compas seulement pour y jouer. Et grâce à Delva, il y a trop de magasins dans ce sens-là pour formaliser les. Mais nous-mêmes, dans le ministère de la Culture, avec Fondation et Nemo Jean-Baptiste, et il y a des jeunes dans l'IRA, tout qui accompagnent le mouvement, plusieurs autres organisations de jeunes qui voulaient approprier au compas, qui c'est un gros héritage. Donc, on a fait tout ça, il y a une soirée de gala, on a fait un cocktail que on a fait, tout le fond Nemo Jean-Baptiste que on a mis en place. Ok, fond Nemo Jean-Baptiste, ça c'est pour Fondation capable de faire des activités et permettre que les familles de Nemo Jean-Baptiste soient capables de bénéficier de ce fonds-là. Et ministère de la Culture, c'est pas le premier contributeur dans ce fonds-là. Et d'inviter tout l'autre monde, par exemple, Jazz YouTube, qui a joué compas, qui a joué de compas, qui a contribué là-dedans, ou même tout, guerrier, ou capable de participer là-dedans, monde à l'étranger, monde en Haïti, n'importe qui capable de contribuer là-dedans. Mais, nous avons l'autre fonds, que nous parlons avec le sénateur Grâce Adelva, qui lui-même, et mobiliser sérieusement là, monsieur, sous ça tout, sous question, font ça, mais c'est nous-mêmes qui pouvons présenter. Donc c'est un fonds pour
supporter d'aide aux artistes, par exemple, qui est en difficulté, Jean-Noël là, par exemple, ou Dim Vicky, effectivement, il y a l'autre monde toujours, mm-hmm. qui compte des fois dans des situations difficiles, mais qui pas gagné aucun recours. C'est un monde qui voulait peut-être, par bonne volonté, qu'a fait. Ben, si nous avons, au fond, que différentes qualités moun capable de contribuer là-dedans. Parce que artistes là sont gros bagaille. Ou gen stress là, cap kazo. Moun jote d'ailleurs doit venir tout le problème il l'a vu. Pour son musique, son, music, ouais. son parole moun nan dit, c'est son blague li baye, c'est ou comme théâtre l'a joué, son l'autre baye l'a fait, mm-hmm. qui permet ou relax. Mm-hmm. Mais ça, l'important pour l'homme. Pour donc fun by culture gen pile en pile bagaille nous gen pour les m'a venir parler oui, culture avec seulement oui. avec route de l'esclave et ça ne va faire bois caïman côté bois caïman pour prendre l'autre niveau désormais ciné théâtre triomphe depuis un mois ça là gen production de bral faire dans cadre de Mouge Baptiste là mais après ça n'a gen une production normale ou programmation non triomphe parce que pas normal pour que l'État et c'est vous c'est banque centrale qui fait investissement mais c'est l'État ou pas qu'à Gomba qui campe là Jean et puis pas qu'à bêter la profit mm-hmm. et surtout pas qu'à salle cinéma qui a fonctionné dans le pays donc tout bagage ça doit régulariser n'a travaillé sur eux et Chita certainement avec banque centrale pour définir des bagages mm-hmm. pour permettre que moun bon lieu côté capable aller Chita garder un film et garder un spectacle qu'a fait